Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Fait pour les adolescents, la série contient des messages perturbants en termes de satanisme, de féminisme, de sexualité et j'en passe. Voici une analyse détaillée de l'agenda derrière Chilling Adventures of Sabrina. Avec l'avènement des services de streaming comme Netflix, la consommation de séries augmente avec une disponibilité de tous les épisodes d'une saison le jour J. Ces séries ne racontent pas seulement une histoire, elles créent des mondes immersifs où le téléspectateur devient très investi, car les séries modernes ne sont pas strictement des histoires mais des expériences qui deviennent une partie de la vie de ceux qui regardent, re-regardent une saison en une seule fois. La première saison de Chilling Adventures of Sabrina, destinée aux adolescents, contient 10 épisodes d'une heure. Dans ces 10 heures de contenu, beaucoup de mots sont dits, beaucoup de messages sont implicites et beaucoup de symbolismes sont introduits dans l'esprit des téléspectateurs. Et en tant que personne qui a regardé la première saison deux fois, je peux confirmer qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a quelques mois, j'avais écrit un petit article nommé « Chilling Adventures of Sabrina va être extrêmement satanique » à la vue du symbolisme satanique explicite de la bande-annonce de la série. La bande-annonce montrait Sabrina célébrant son 16e anniversaire avec Satan en personne. Sortie juste avant Halloween, la fête la plus importante dans les cercles sataniques, la série emmène sa jeune audience dans une aventure occulte. Saupoudrée de plusieurs messages sociaux, l'audience reçoit un enseignement des bases du satanisme, que la sorcellerie est le meilleur moyen pour se faire le patriarcat, et que le cannibalisme n'est pas si mal après tout. En somme, la série sert l'élite occulte pour laver le cerveau des jeunes avec leur agenda actuel. Le message tordu et malade de Chilling Adventures of Sabrina. La série est basée sur l'archi-comique Sabrina l'ado, cependant cette adaptation est plus sombre et subversive, et sert l'agenda de l'élite. L'histoire se situe dans le même univers que la série Riverdale, des mêmes producteurs, une autre série populaire chez les ados qui mériterait probablement son propre article. Roberto Aguirre Sacasa est l'auteur de ces séries, ainsi que de la série Glee, ainsi que d'une pièce appelée « Dites que vous aimez Satan » et qui est décrite comme une comédie romantique démoniaque. Sabrina la sorcière pourrait aussi être décrite par ces termes, mais elle va beaucoup plus loin. Dans le premier épisode, le synopsis est le suivant. Dans la ville de Grindel, où l'on a l'impression que c'est tout le temps Halloween, il y a une fille qui est moitié sorcière, moitié mortelle, qui lors de son 16e anniversaire devra choisir entre deux mondes, le monde sorcier familial ou le monde humain de ses amis. Promotion du satanisme. L'histoire est taillée pour plaire aux adolescents, c'est l'histoire d'une ado de 16 ans qui va au lycée, qui aime son petit ami, qui sort avec ses amis. De plus, c'est une sorcière, et les membres de sa famille sont des satanistes revendiqués. À travers ces aventures infernales, beaucoup de choses perturbantes se produisent, et beaucoup de messages sont délivrés. Voici quelques thèmes exploités par la série.
Dans chaque épisode de la série, les principaux arguments du satanisme sont entremêlés dans le scénario et présentés d'une manière abordable pour les adolescents. Les deux tantes de Sabrina sont de ferventes sorcières qui remercient Satan dès que quelque chose de bien se passe. Cependant, elles n'ont pas de nez pointu et ne se baladent pas sur un balai. Mais plutôt, ce sont des femmes sympathiques qui agissent envers Sabrina comme des mamans aimantes. En fait, toutes les sorcières dans la série sont amusantes, charismatiques, belles et sont ouvertes d'esprit et tolérantes envers tout choix de style de vie. Les sorcières vivent longtemps et vieillissent lentement. Et vraiment beaucoup d'avantages à servir Satan. Quand elle était une bonne chrétienne, Miss Wardwell était une femme ennuyeuse et coincée. Après que la concubine de Satan s'empara de son corps, elle se transforma en une sensuelle, amusante et puissante sorcière. Comme dit plus haut, Sabrina a un dilemme. Doit-elle devenir une sorcière super puissante ou doit-elle rester une simple femme? C'est ainsi que la série présente le dilemme, comme le dit Sabrina, il y a tant de choses délicieuses à être une sorcière. Pour devenir une sorcière, Sabrina doit passer par un obscur baptême et se donner à Satan. Cependant, Sabrina a des questions qui sont utilisées pour informer le téléspectateur sur le satanisme. À un moment, Sabrina demande au grand prêtre de son groupe « Mais le diable, il est l'incarnation du mal ?» Incorrect. Il est l'incarnation du libre arbitre. Bien, mal, ces mots importent aux faux dieux, mais le Seigneur obscur est au-delà de ces concepts. Oui, à travers la série, Dieu est qualifié comme le faux dieu, une figure paternelle impotente et oppressive. Pour rendre le baptême obscur encore plus séduisant, le grand prêtre ajoute « En échange de leurs services et dévotions, les sorcières sont exemptées de l'enfer. » Juste avant le baptême obscur, le grand prêtre nous donne encore plus de bases de la croyance satanique. Notre Seigneur nous enseigne, il n'y a pas de loi au-delà de faire ce que tu veux. Notre Seigneur demande, sois-tu être heureux, enfant, être libre, libre d'aimer et de haïr, d'être ce que la nature t'avait prédestiné, vrai seulement envers ses lois et toi-même. Oui, Père, crois-tu en Lucifer, l'archange ou chérubin, qui a préféré la perte du ciel à la perte de sa fierté? Oui, Père. Plus tard dans la série, l'audience reçoit l'enseignement de l'interprétation satanique du livre de la Genèse. Est-ce que Ève est morte quand elle a mangé un fruit de l'arbre défendu, les enfants? Les enfants, non! Bien sûr que non, le faux dieu a menti à Ève parce qu'il désirait la garder nue et ignorante dans son jardin. Mais notre Seigneur Satan incarné dans un serpent donna à Ève la connaissance et la libéra. Comme nous le verrons plus tard, Satan est souvent décrit comme une entité libératrice et valorisante pour les femmes. À l'intérieur de l'école des arts invisibles, où les sorcières apprennent des invocations et la démonologie, une statue géante de Baphomet est en place, avec de la lumière divine rayonnant dessus. C'est la copie conforme de la statue de Baphomet installée au temple satanique du Michigan. La série est aussi remplie de petits détails, par exemple le chœur de l'école satanique chante une chanson qui commence avec ces mots « Toujours et toujours à jamais, car un et un, en ton intérieur pour ton père. Tout est rien, tout est rien, tout est rien. » Le nom de la chanson est « I never say never to always », ce qui veut dire « Je ne dirai jamais, jamais à toujours ». Et cela a été écrit par Charles Manson, oui, le gourou d'un culte, tueur en série et MKUltra, esclave contrôleur Charles Manson. La chanson provient de l'album de 1970 de Charles Manson, Mensonge, l'amour et le culte de la terreur. L'élite occulte adore Charles Manson. Comme Sabrina étudie les arts obscurs, elle se rebelle parfois contre son éducation satanique et essaye d'y mettre fin. Y arrive-t-elle? Bien sûr que non. En fait, Sabrina finit par signer avec son sang le livre de la bête, elle vend son âme au diable, ce qui la transforme en une super puissante sorcière. Et ses super pouvoirs finissent par sauver la ville de Glendale entière. Merci Satan. Pour rendre le satanisme encore plus attirant, la série l'assimile au féminisme. Satanisme, un allié du féminisme et des LGBTQ. Presque tous les hommes, les blancs, donc ça c'est moi qui ai rajouté ça, qui sont dans la série sont méchants, insistants, violents et homophobes. Quand ils ne se moquent pas de l'ami de Sabrina, ces décérébrés appellent les femmes chiennes et prudes. L'une des premières scènes de la série montre ces brutes frapper l'ami de Sabrina, Suzy, qui pourrait devenir une transsexuelle.
En plus de ça, le principal de l'école est dépeint comme un misogyne, ne faisant rien pour arrêter les brutes. Qui va sauver ces femmes de la toxicité masculine? Des sorcières, bien sûr, grâce à Satan. Le message est clair. Puisque les hommes sont plus forts physiquement que les femmes, la sorcellerie est le meilleur moyen pour se venger d'eux. Après avoir leurré les brutes dans une cave par des sous-entendus, Sabrina et ses amies sorcières utilisent la sorcellerie pour les tourmenter et les humilier. Les sorcières jettent même un sort aux garçons pour les rendre impuissants pour une durée indéterminée. Le père du petit ami de Sabrina est un homme violent et coléreux. Dans cette scène, il est sur le point de frapper son fils. Heureusement, une sorcière s'interpose pour l'empêcher d'agir grâce à un sort. Encore une fois, merci Satan. Beaucoup d'autres actes de sorcellerie sont précédés de moments irrespectueux envers les femmes, ces fameux moments MeToo. Miss Wardwell avait besoin de sacrifier un vierge pour jeter un sort puissant, alors elle se transforme en une jeune lycéenne et se dégote une brute qui est très entreprenant et irrespectueux. Miss Wardwell alors reprend son apparence normale et égorge le jeune homme de manière ritualistique. Le message, il a mérité son sort car il était irrespectueux. Le principal de l'école de Sabrina est montré comme un harceleur misogyne. Il est toujours en chien et drague dès qu'il peut Miss Wardwell de manière grossière. Elle finira par le tuer et le manger, littéralement. Comme nous le verrons dans la suite, la série contient ce thème qu'aiment tant les satanistes, le cannibalisme. Après tout, il a mérité son sort, n'est-ce pas, hein, d'être mangé. Le final, moment crucial de la saison, est quand Sabrina se décide à signer le livre de la bête et délivre son âme à Satan tout en affiliant cela à un geste féministe significatif. Miss Wardwell dit à Sabrina « Je sais que tu as peur Sabrina, parce que les femmes ont appris à avoir peur du pouvoir. Contrôle ton pouvoir, ne l'accepte pas de la part du Seigneur Obscur, prends-le, utilise-le, sauve tes amis. » La relation entre la sorcellerie et le féminisme implique aussi ses amis non sorciers. Pour protéger Suzy des brutes à l'école, Sabrina crée un club pour les femmes protégeant les femmes et pour combattre la culture puritaine masculine. Le nom du club est WICA, ce qui veut dire Women Intersectional Cultural and Creative Association, Association culturelle et créative des femmes intersectionnelles. Le mot intersectionnel n'est pas un hasard, il réfère à un concept très spécifique dans la théorie critique. L'intersectionnalité est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Le terme a été proposé par l'universitaire afroféministe américaine Kimberly Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines, les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque. Donc en fait, c'est un combo quand vous voulez pleurnicher et que vous voulez cumuler l'aspect victime-femme et victime-raciale, on va dire. L'acronyme Wicca a aussi un sens, c'est une forme moderne de sorcellerie païenne. Encore une fois, le féminisme et la sorcellerie sont mélangés ensemble et présentés comme un tout cohérent, valorisant pour les femmes. Sabrina compare même le club à un groupe de sorcières où les sœurs se défendent entre elles. Quand Rosaline demande si le club est pour renverser le patriarcat blanc, Sabrina répond exactement. Le dialogue entier sonne forcé et pas naturel pour inclure le maximum de concepts de justice sociale possible. Une fois formés, les membres du Wicca découvrent que certains livres sont bannis de la bibliothèque par le comité de l'école. Elles en font une mission de rendre ces livres débannis. Citant le fascisme, elles clament que personne ne devrait décider ce que l'on peut lire ou ne pas lire. Les livres en question de Bluest Eye et Lolita. Wicca organise une lecture secrète du livre de Bluest Eye. Le club est soutenu par Miss Wardwell qui est en fait une démon. Encore une fois, la série mentionne de véritables publications. The Bluest Eye est un roman de 1970 qui a été écrit par l'afro-américaine Toni Morrison. Durant ces années, le livre fut banni par plusieurs comités d'école parce qu'il contenait des scènes graphiques de viol, de maltraitance, d'inceste et de viol sur mineurs. Une scène en particulier décrit de façon détaillée
la maltraitance d'un père sur sa fille, et donc à juste titre, le livre fut considéré comme inapproprié à la lecture par des enfants dans plusieurs états des États-Unis. En 2016, une école dans le Michigan a banni The Blue West High, car le livre fut jugé comme pornographique et contenant des références négatives envers la croyance chrétienne. Wicca s'oppose aussi à l'interdiction du livre Lolita, un roman sur un homme mûr qui devient omnubilé par une fille de 12 ans, avec qui il entretient une relation avec rapport sexuel après qu'il soit devenu son beau-père. Pourquoi se bat-il spécifiquement pour défendre des livres qui prônent des relations adultes avec mineurs ? Peut-être parce que les créateurs de la série et donc l'élite occulte pratiquent la pédophilie. Donc là c'est intéressant parce que j'avais pas prévu ça, mais quand vous cherchez la vérité, vous finissez toujours par tomber sur les mêmes thèmes, les mêmes personnes. Donc vous avez une vidéo sur ma chaîne qui aborde un petit peu le film Lolita de Stanley Kubrick. Et je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo, une vidéo consacrée entièrement à Lolita. Voilà. Et sinon, ce que vous voyez là à l'écran, c'est quelque chose qui ne figure pas dans ma vidéo sur Stanley Kubrick, que j'ai remarqué après. Donc c'est un truc à ajouter, voilà. Et sinon, ça, c'est une timeline que j'ai fait en 2015. Donc... je les ai vus un peu trop beaux, donc dans le sens où je pensais qu'ils iraient plus vite. Mais ça vient malheureusement. La sexualisation des mineurs. Au moment de son baptême obscur, Sabrina a toujours 15 ans. Malgré ce fait, la série implique clairement que Sabrina devra s'accoupler avec Satan. Avant son baptême obscur, Sabrina porte une robe de mariée blanche. Le mariage en blanc représente la pureté de la mariée et la virginité de Sabrina a été estimée comme importante avant son baptême. Lorsqu'elle confirme qu'elle est toujours vierge avant son baptême, sa tante lui dit « Gloire à Satan ». Sabrina alors lui répond « Pourquoi peut-il décider de quoi faire avec mon corps ?» Beaucoup de sous-entendus dans ses propos. Arrivée sur le site de son baptême obscur, la robe de Sabrina devient magiquement noire. Le symbole de la robe blanche qui devient noire est encore une fois montré par la télé et les médias de masse. Ensuite, Sabrina est déshabillée par ses tantes et s'agenouille devant le grand prêtre, le représentant de Satan sur Terre. Sabrina signant le livre de la bête est décrit comme le moment de consommation entre Satan et Sabrina, similaire au moment où des nouveaux mariés vont en lune de miel. Et là, les choses deviennent encore plus explicites. Une fois qu'elle entre dans l'école des arts invisibles, Sabrina découvre que ses camarades pratiquent avec délectation des orgies entre sorciers. Dans cette scène, Sabrina, qui vient d'avoir 16 ans, est invitée à se joindre à une orgie de sorciers qui inclut son cousin pansexuel et son petit ami. Donc là, j'avais pas compris, donc c'est le petit ami du cousin qui est là. Parce que le petit ami du cousin ressemble un peu au petit ami de Sabrina. Normalisation du cannibalisme. La série normalise aussi l'autre obsession de l'élite occulte, le cannibalisme. Dans les articles précédents publiés sur The Vigilant Citizen, j'ai remarqué que le cannibalisme est, pour une raison folle, promu dans les médias de masse. Et donc Sabrina la sorcière fait la promotion de ce thème de la plus grande des manières. Dans le premier épisode, la tante de Sabrina, qui gère des pompes funèbres, reçoit le corps d'un garçon poignardé à mort. En regardant le cadavre, la tante Zelda soupire et dit « Quel dommage, il souhaite que le cercueil soit ouvert. Nous n'avons pas eu un grand cochon depuis longtemps. » L'expression « grand cochon » est utilisée par les psychopathes pour décrire la chair humaine. Et donc, Zelda souhaitait manger un jeune garçon tué récemment. Du grand divertissement pour la jeunesse. Plus tard, Zelda rêve de recevoir Satan à dîner. Elle lui prépare son repas préféré, un enfant rôti. Zelda repère un garçon qui est particulièrement bien en chair. La scène suivante montre la tante Zelda mettre un plat dans le four, filmé à l'intérieur du four, sans qu'on puisse distinguer ce qui va cuire. Et ensuite, nous voyons que l'enfant a été cuit et qu'il est servi à table. Attendez, on parle de cannibalisme ? Oui Sabrina, on parle sérieusement de cannibalisme. Dans l'épisode de Thanksgiving, nous apprenons que l'assemblée de sorciers de Sabrina célèbre une autre fête, le festin des festins. Ce jour-là, un chanceux sorcier est sacrifié en offrande pour être mangé par le reste de l'assemblée.
Dans cet épisode, Sabrina s'oppose à la pratique barbare et tente de la faire cesser, et elle y parvient. L'ami de Sabrina n'est pas sacrifié. Par contre, lors de la nuit de la fête, le festin des festins, les sorcières expriment leur colère et exigent du sang. Alors une sorcière zélée se propose et se tranche la gorge et s'offre à l'assemblée. Putain, c'est quoi ça? Comme un pack de hyènes, l'assemblée se rue, l'éventre et la dévore. Lorsqu'un livreur arrive chez Miss Wardwell, elle lui demande de déposer la pizza à l'intérieur, puis elle le tue et le mange, car elle l'a bien mérité. Il avait un regard du genre « je me la ferai bien » sur son visage. Le christianisme moqué. Les rituels sataniques et symboles sont principalement basés sur l'inversion, la corruption et la perversion du christianisme. Sabrina la sorcière blasphème minutieusement le christianisme de plusieurs façons, de manière subtile et de manière explicite. Les rituels de l'assemblée, y compris le festin des festins, se déroulent dans une église où il est peint sur la façade un pentagramme pointe vers le bas et les mots « dissuade to hell ». Par ici l'enfer. À l'intérieur, les chefs des diverses figures religieuses étaient coupés. Plus tôt dans un épisode, lorsque Sabrina pose des questions sur Satan au grand prêtre, sa tante l'interrompt et dit « Pardonne-lui, Père, elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Cette phrase est une distorsion de Jésus-Christ disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » lors de sa crucifixion. Luc chapitre 23, verset 34. Dans un autre épisode, la tante Zelda demande au grand prêtre des conseils spirituels et à une confession satanique. Puis, les choses deviennent inappropriées pour les enfants. La confession se transforme en session BDSM. Le grand prêtre alors demande « Ensemble, nous souffrirons dans l'extase exquis ». La confession est un rite catholique romain. La série la transforme en un acte sexuel. Donc là, c'est moi qui ai rajouté ça. Je rappelle que le catholicisme est une corruption satanique du christianisme. Aussi, Jésus fut flagellé avant de porter sa croix. Plus tard, Sabrina tente des actes à la Jésus-Christ. Quand le frère du petit ami de Sabrina meurt dans une mine, Sabrina décide qu'elle doit le ressusciter, comme l'a fait Jésus-Christ avec Lazare. Par contre, la méthode de Sabrina implique l'art le plus obscur, la nécromancie. Sabrina se sert du livre des morts pour effectuer un rituel de nécromancie qui requiert un sacrifice, et donc Sabrina tranche la gorge d'une camarade sorcière. Après le rituel, Tommy est ressuscité et rentre chez lui. Cependant, il y a un gros problème. Tommy est revenu sous la forme d'un zombie damné qui pourrait tuer toute sa famille. Au final, le petit ami de Sabrina est forcé de tirer dans la tête de son frère. En résumé, l'épreuve entière ne fut qu'une corruption immorale de l'acte de Jésus-Christ. Sabrina souhaite aussi ressusciter la sorcière qu'elle a sacrifiée. Pour y arriver, elle l'enterre dans une tombe appelée Cain's Pit. La tombe de Cain est identifiée par une croix inversée. Selon sa tante, la tombe magique est faite du sol récolté du jardin de Cain et imprégné du sang d'Abel. Ce morceau de dialogue pourrait passer au-dessus de la tête de vous qui regardez cette vidéo, mais spirituellement, il est important. Dans le livre de la Genèse de la Bible, Cain, ou Caïn en français, Cain et Abel sont les deux premiers fils d'Adam et Ève. Cain, le premier-né, labourait le sol et son frère Abel gardait les brebis. Et au bout de quelques temps, il arriva que Cain apporta du fruit du sol, une offrande au Seigneur, et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande, mais à Cain et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Cain fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cain parla à Abel son frère, et il arriva quand il était au champ que Cain se leva contre Abel son frère et le tua. Et le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » C'est dans cette terre maudite que la famille de Sabrina ressuscite les sorcières. Les cercles occultes se voient comme les descendants de Cain, qui a construit une ville et une lignée par ses propres moyens, sans l'aide de Dieu.
conclusion. Avec la gravité et perturbante nature des sujets abordés, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une analyse d'une série destinée aux adolescents et probablement regardée par des plus jeunes. D'une certaine façon, Sabrina la sorcière est typiquement typée ado, taillée sur mesure pour leur plaire. Cependant, au-dessus de ce narratif ado-centré, la série ajoute une couche épaisse de messages subversifs destinés à vendre plusieurs idées. Tous les sujets abordés au-dessus, promotion du satanisme, de la sorcellerie alliée du féminisme et du LGBTQ, de la sexualisation des mineurs, de la glorification du cannibalisme et du blasphème envers le christianisme, ont été depuis des années mis en avant par les médias de différentes façons. Sabrina la sorcière est une nouvelle série de Netflix cherchant à modeler l'esprit de la jeunesse afin qu'elle adopte certaines idées, valeurs et attitudes. En résumé, Sabrina la sorcière est une capture parfaite de la culture populaire en 2018, de la propagande sociale mixée à du satanisme.